Alan, le mari de Poupette Kenza, impliqué dans les émeutes, elle le dénonce, se fait bannir de Snapchat et annule ses meet-ups pour une deuxième fois. Suite aux émeutes et violences que la France subit depuis la mort de Naël, Poupette Kenza a reçu des consignes par la gendarmerie et la préfecture d'annuler sa tournée des meet-up, dont le premier devait avoir lieu à Paris aujourd'hui. La jeune femme et son équipe ont reçu plusieurs menaces et a été contrainte de tout reporter à septembre. La jeune maman a décidé de quitter la France pour Dubaï et partira dans les jours à venir, malgré l'interdiction pour son mari de quitter le territoire français suite à une dernière condamnation. Alan était visiblement dans les émeutes à Rouen et aurait participé aux violences d'après sa femme, mais cette dernière a démenti l'info le lendemain, ce qui lui a coûté la désactivation de son compte. Finalement, elle a pu le récupérer hier soir et partager de nouveau son quotidien avec ses poupettes. Je vous laisse alors avec toutes ces révélations. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Alan, là, quand il va se réveiller, je vais lui faire une petite leçon de morale parce qu'ils ont retourné son quartier hier. Il rentre à 6h du matin. L'état du quartier est scandaleux. Ça fait trop mal au cœur parce que... Parce qu'en fait, moi les filles, moi je suis pas d'accord avec le fait de tout. Je suis désolée, mais je veux juste bouger les choses. C'est pas tout le monde qui a. Les filles, ils ont brûlé un camion, il y avait des poulets dedans. J'ai vu les photos, ça m'a. Âme sensible, ça peut se venir, je suis choquée. Alan, viens ma vie. Mais Poupette, du coup, je me suis renseignée auprès d'Alan. Et il a rien fait du tout. Donc, il est rentré tard parce qu'il était avec ses potes et tout. Et il m'a laissé avec Yousra en fait. Il m'a dit. Parce qu'Alan, il rentre jamais à 6h du matin. Du coup, je me suis dit peut-être que. Et du coup, il m'a vu que j'étais avec Yousra. Il est resté toute la soirée avec ses potes. Il m'a dit, je fais pas ça, je touche pas à ça. Ça l'intéresse pas du tout, donc... Il a rien fait, vraiment. C'est vrai. C'est parce que ce matin, la vidéo que j'ai mise, où j'ai dit, oui, Alan, il est rentré tard, je vais voir avec lui et tout. Genre, ça s'est mal interprété. Il a rien fait du tout. Hein. Au cas où vous m'emmenez au poste, là, juste après, je montrerai cette vidéo-là. Parce qu'il... Wallah, qu'il a vraiment rien fait. Il aurait fait un truc, je vous l'aurais dit, il me l'aurait dit aussi. Donc, il a vraiment rien fait. De toute façon, je pars bientôt, les poupées. La France, c'est fini pour moi. C'est fini pour ma famille. C'est trop, trop anxiogène pour nous. On est trop accessible pour les problèmes en fait. Pas par rapport à vous, justement, c'est ça qui va le plus me manquer. Le fait de pas vous croiser tous les jours dans la rue, le fait de pas vous voir, ça va être trop dur pour moi. Mais c'est trop accessible pour les soucis. On peut vite appeler les institutions, me faire des problèmes. On peut vite, m'attraper en fait, vous voyez. Alors que je fais rien de mal. Mais toujours extrapoler les choses et tout. Je préfère être en liberté à Dubaï. Qu'elles essayent d'appeler Dubaï, on verra que ça, si ça va être pareil. Ça va pas du tout être pareil, mes poupées. Ça va, je rigole pas du tout, donc je vais me sentir en sécurité. Y'a personne qui va rien faire, y'a personne qui va m'agresser, y'a personne qui va appeler pour essayer de. Enfin, à moins qu'elles aient que ça à faire que de faire du hors forfait et d'appeler les institutions à Dubaï. Ce que j'espère pas pour elles, puisque si on arrive à ce stade-là, c'est scandaleux quoi, même. Donc ensuite, je vais mettre mon petit